Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le conseil aux entrepreneurs de la vie. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un organisme national qui vient en aide aux entrepreneurs en réinsertion ou en situation difficile, en les accompagnant ou en leur tenant des microcrédits. Nous, on travaille avec l'antenne de Bourg-en-Bresse. Plus précisément, nous, on intervient au niveau du programme Créa Jeune. En fait, c'est un programme destiné aux entrepreneurs de 18 à 30 ans qui sont en situation précaire, en situation de réinsertion ou en recherche d'emploi et qui créent leur entreprise. Notre rôle à nous, c'est d'intervenir sur l'étude de marché. Donc on leur donne des cours d'études de marché et de présentation de projet, c'est-à-dire un peu une introduction à la méthode du pitch. L'idée ensuite pour nous, c'est de les suivre individuellement et c'est là que tu peux intervenir. Concrètement, comment ça marche? Tu prends rendez-vous avec l'entrepreneur dans un lieu qui t'arrange, à une heure qui t'arrange, par exemple dans un café, et le rendez-vous dure 1h30. Et toi, tu l'aides à structurer son projet, tu le conseilles là où il en a besoin, mais surtout, tu lui donnes un point de vue extérieur et professionnel. Alors, c'est vraiment pas très compliqué. Déjà, on est souvent deux pendant un rendez-vous. En plus, généralement, les questions qu'ils posent sont assez simples, c'est beaucoup de bon sens, c'est des choses qu'on a déjà vues à l'EM dans nos activités associatives ou dans les cours sur l'entrepreneuriat. En fait, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas forcément une formation, qui vont avoir du mal à penser à tout. Nous, on est habitués à poser les bonnes questions pour penser à tout. Donc leur poser ces questions-là, ça leur permet de prendre conscience des choses qu'ils auraient oubliées et de pouvoir avancer sur leur projet. En plus, c'est souvent des entrepreneurs qui manquent de confiance en eux. Ils sont dans une situation difficile, ils lancent un projet, c'est comme se jeter à l'eau. Discuter avec eux de leur projet les aider à formaliser leur projet, ça leur permet vraiment de prendre confiance en eux. Quel genre de projet on rencontre à l'ADI? C'est très varié. Ça peut aller de la graphiste qui devient indépendante, le plombier qui monte une entreprise de plomberie, jusqu'à des entreprises un peu plus élaborées, du genre la création d'une marque de sac à main, comme on a eu avec Nanoku, une marque de cosmétiques. Là, récemment, on a eu aussi une meneuse de volume de cabaret. Donc voilà, c'est vraiment très varié. C'est des gens en général qui ont une expérience très riche et qui ont tiré leur idée de la réalité. L'idée, c'est vraiment, en général, de les aider à travailler sur leur business model. Où est-ce que je gagne de l'argent? Comment est-ce que je gagne de l'argent? Quelle sera ma relation avec le client, etc. Et leur stratégie marketing, notamment l'étude de marché. Cette expérience est extrêmement riche dans la mesure où ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à nos acquis de l'UN, mais surtout extrêmement valorisante parce que notre aide est palpable et réelle et l'entrepreneur nous est reconnaissant pour le travail qu'on fait pour nous. Et surtout, elle demande un investissement assez faible dans la mesure où ça peut être juste 1h30 de rendez-vous par mois ou plus si vous en avez envie. Mais attention à la façon dont vous abordez le rendez-vous. Vous n'êtes pas consultant, vous êtes juste des étudiants en école de commerce qui peuvent rester ouverts et accessibles à l'entrepreneur. On est là pour l'accompagner et non pour juger son projet. Si cette petite vidéo vous a plu et surtout convaincu, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Vous pouvez également nous poser toutes les questions et nous interpeller dans les couloirs. Et notre boulot à Ben est assez opérable. On vous attend très nombreux. À bientôt. À bientôt. Salut.